Un festival du film américain sans les grandes stars d'Hollywood, mais pas sans glamour. Sur le tapis rouge, les stars françaises et internationales étaient bel et bien présentes pour se prêter au jeu des photographes et des autographes. Je suis venue avec un film que j'aime plus que tout. C'est pas parce que je suis dans le film du tout, hein, mais c'est parce que le film d'Arnaud Despalières, Captive, est une merveille. Et que quand je vois du cinéma et des vrais cinéastes, ça me rend tellement heureuse de savoir que le cinéma existe. L'absence des acteurs et actrices solidaires du mouvement de grève des scénaristes d'Hollywood n'aura finalement en rien perturbé la programmation. 14 films en compétition et un public de plus en plus nombreux à se presser dans les salles obscures. On a réussi ça à Deauville, vous savez, c'est très rare. Le public vient voir des films à Deauville. Il voit des premiers films, il voit des films de femmes, il voit des films qu'il ne connaît pas. Et donc, c'est ça le vrai succès. Alors, les quatre Américains absents, ils viendront l'année prochaine. Sinon, il en viendra d'autres. Parmi ceux que l'on risque de revoir sur les prochains tapis rouges, le réalisateur Shane Atkinson. Grand prix du jury, prix du public, prix de la critique. Son premier film, Leroy, fait carton plein. Le scénario formidable, les situations assez décalées, les acteurs sont incroyables. La lumière, le cadre, tout. Et j'ai appris qu'en plus le film a été fait en 22 jours. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment incroyable. Just stay here, okay? I'm not staying here, you stay here. This is my life. Do you understand that? Yes, I understand. And I don't need you screwing it up any more than it already is. Oh, you think you can do this all by yourself? Go ahead. Fishing trip off. Sur scène, c'est les larmes aux yeux que le réalisateur vient récupérer ses récompenses. Le film issu d'un coup de foudre entre le réalisateur et un producteur français a bien failli ne jamais voir le jour. J'ai passé tellement de temps à écrire des scripts et le film a mis tellement de temps à se monter. Vous savez, vous passez tellement de temps à taper sur votre clavier qu'à la fin, vous finissez par douter. Vous vous dites que personne ne lira jamais ce que vous écrivez et que personne ne verra jamais ce film. Pour moi, c'est une chance d'avoir pu monter ce film, de pouvoir le présenter dans un festival comme celui de Deauville et surtout de voir la réaction du public. C'est comme un rêve devenu réalité. Récompense ultime, le film a enfin décroché un distributeur. Pour l'équipe de Leroy, la 49e édition du Festival de Deauville s'achève décidément sous une bonne étoile.